Benissimo, Michel. -t -t e -t Michel, raconte nous Qu ce qui se passe. Michel, raconte-nous ce qui se passe. En fait, depuis tout le temps, j'ai eu l'impression de ne pas être à ma place, d'être déphasé. Même euh, quand j'étais petit au sein de ma famille, j'avais l'impression d'être un étranger, comme si j'avais été adopté, ce qui n'est pas le cas. Et tout au long de ma vie, j'ai été en, en décalage avec mes semblables. Eh, da quando da tutto il tempo da quando sono bambino ho come l'impressione di essere sfasato, o dislocato o adottato. ho Sempre avuto l'impressione di essere adottato quando in realtà non era la verità. E mm -hmm. oui. continua, tu peux continuare. E euh, quando j'ai una grande sensibilità e quando je fais quelque chose, j'ai l'impulsione, ma in en fait, il n'y a pas l'énergie pour que les choses se fassent derrière. come se Toujours en boucle, et puis que quelque chose fait que ça se met pas en place, quoi, c'est très pénible. Ho oh, grandi, molte energie, mais quand cerco de faire quelque chose, non riesco a fare in modo tutto si metta à faire en sorte que tout se mette à son posto et giro in tondo sans risolvere et è molto frustrante. <laughs> Pu continuez. Et bien, quand j'étais adolescent à 18 ans, je J'étais plus avec des gens qui avaient 40, 50 ans que les... ceux de mon âge, parce que j'avais l'impression que ben, c'était des... dans leur tête des bébés, puis j'arrivais pas à communiquer avec. Donc j'étais toujours en, en décalage. D'ailleurs, souvent, ils m'appelaient l'extraterrestre parce qu'on n'arrivait pas à, à s'entendre. Donc j'ai l'impression de ne pas être sur la bonne planète, des fois. Da, già da adolescente frequentavo persone tra i 40 e i 50 anni, sempre persone più grandi di me, perché con i miei cotani non mi trovavo né a livello di pensiero né discorsi e venivo considerato come l'extraterrestre perché non ero mai compreso. Ci puoi continuare? E Et, enfant, je faisais souvent des cauchemars de personnes qui venaient dans mes rêves. Et en fait, un jour, j'ai compris que c'était des personnes décédées parce qu'il y avait une personne de mon quartier, une personne âgée qui est décédée le jour avant et la nuit après, il est venu dans mes rêves. Je ne sais pas si c'était... Si je devais les, les aider à passer quelque part, ou je ne sais pas. Mais j'étais petit, j'avais 8 ans, et pour moi, c'était vraiment des cauchemars. Et je n'étais pas compris ben déjà de mes parents, forcément, parce que moi, je puis je réveillais toute la maisonnée. Et, et da, bambino, da bambino, mi capitava spesso de faire des incubi avec des personnes. Eh, mi je me suis rendu compte que ces personnes fossero des personnes mortes. dei disincarnati, perché uh, un giorno qualcuno del mio quartiere è morto e io, il giorno dopo, la notte seguente, l'ho sognato. Quindi, per me era una cosa che nessuno mi capiva, anche perché poi mi svegliavo di notte, per me erano degli incubi, urlavo e non, mi, non venivo capito. E du coup, mi hanno inviato da un psichiatra che non era nemmeno un pedopsichiatra all'epoca. qui, lui, bah forcément, m'a fait faire des tests, mais il n'a rien vu de spécial, vu que c'était par rapport à des rêves, des cauchemars. Mais moi, ça m'a affecté parce que le psychiatre en question, il s'occupait aussi d'enfants de, trisomiques. Et quand je les croisais, je me disais, mais j'ai rien à faire là. Donc, ça pesait encore plus par rapport à ce que je vivais, pas que je n'étais pas compris. à cause de ça, je suis été mandé psichiatra che ha chiamato Pedo psichiatra eh, che eh, ha fatto dei test su di me ma da questi test non è uscito niente soprattutto perché riguardavano i sogni e poi questa persona eh, trattava soprattutto le persone trisomiche quindi le persone con la sindrome di Down e io non mi sentivo eh, di, di appartenere a questo tipo di persone quindi ancora di più non mi sentivo compreso ci può continuare Et du coup, par rapport à ça, j'ai l'impression que vis-à-vis -vis de mes compagnes, je n'arrive pas à vraiment les aimer. C'est un peu bizarre, comme, comme le sentiment d'amour est un peu spécial chez moi. Parce que je ne sais pas si c'est parce que je n'ose pas euh, m'investir ou me dévoiler avec mes partenaires, mais hein, au fond de moi, j'ai l'impression que je ne sais pas aimer en fait. E quindi con i miei compagni è anche sempre stato difficile per quanto riguarda uh, l'amore, l'amare, perché non so se è un problema che arriva da me, che non ho mai voluto farmi coinvolgere, o se uh, non sono io in grado di amare. puoi continuare? Oh, C'è à peu près tout. Je suis <laughs> en permanence, en, en, en décalage avec le monde qui m'entoure. Eh, Donc... tel... Pardon. Un peu tout, un peu tout, je me sens un peu spasé par rapport au monde qui me tel Un tel point qu'à un moment donné, j'avais des idées suicidaires, en me disant, bah, je ne suis pas à ma place, je n'ai rien à faire là, mais je ne l'ai jamais fait parce que j'avais peur de me louper et puis d'être, par exemple, handicapé et d'être encore plus bloqué dans ce corps et que je ne peux rien en faire. Quindi, come dicevo, mi sento di sfasato in questa mia vita, al tal punto da pensare al suicidio, ma non l'ho mai fatto perché avevo paura di sbagliare, di sbagliarmi e magari finire, non lo so, handicappato e rimanere ancora più prigioniero di questo corpo. Va bene, andiamo a vedere che viene fuori. On va voir qu'est-ce que ça va sortir. gli occhi, Michel? Fermi gli occhi. Tu ne vas réouvrir les yeux qu'à la fin de la session. Alors, mm, mm, de tout debo, de session. Avant tout, je veux t'expliquer comment il faut que tu travailles pendant la session. Et, te lo spiegherò durante uno sogni fatto. Et je vais t'expliquer ça pendant un des rêves que tu, tu as raconté, que tu as fait. Vai a uno di questi incubi, come li chiami tu, con disincarnati, con persone morte. Tu dois andare in uno di questi rêves, come tu l'appelles, di questi cauchemar, con questi incarnati, delle persone morte. <coughs> Bene, quando sei in uno di questi sogni, me lo dici. Quando sei là in uno di questi rêves, tu puoi me lo dire. Ok. Adesso ti faccio delle domande sur questo sogno. Maintenant, je vais poser des questions au sujet de ce rêve. Allora, regola, et Avant tout, la toute première règle, c'est des réponses courtes et rapides. Regola, se deux tra cui devi una tra deux. Deuxième règle, si je te donne la possibilité de choisir entre deux réponses, il faut que tu choisisses qu'une des deux, pas d'autre chose. Okay. Ma c'è una tecnica, poi la sessione verrà dopo. Ça, c'è juste una tecnica e la sessione arriverà dopo. In questo sogno è giorno o notte? Dans ce rêve, c'è giorno o nuit? C'è lumineux, la ma non posso non dire che sia la giornata. Ma non posso dire che è giorno. Risponse è corta. Riponse è giorno o notte? Ça fait jour ou nuit Jour. Jou. Mm -hmm. Très bien. C'est caldo ou freddo C'est froid ou chaud Chaud. Chaud. Mm -hmm. Sei in un Es-tu dans un endroit ouvert ou fermé Ouvert. Aperte. En ce et caldo, sei solo c'est Dans cet endroit ouvert et chaud, es-tu seul ou il y a quelqu'un avec toi Seul. Solo. Come ti senti? Come va tu? Bien. Bene. Continua e dimmi che succede. Continua e dimmi che succede. passe. Cette que Questa persona si... che conoscevo da vivo si sta avvicinando, si avvicina a me? Ah, quindi non sei solo. Du coup, tu pas seul. OK, non, non sei solo. Ok, non, c'est solo. Alors, dis-moi, vois-tu cette personne devant toi, juste moi, tu vois cette personne en face de toi, c'est tu Oui. Ok, dis-moi, ou di est-il plus grand ou plus petit que toi Je le crains pas, vu que je le connais. Non, 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 je ne le sais pas, parce que je ne le connais pas. Je ne comprends pas bien bah, la réponse. Je l'ai devant toi. Il est en face de toi. Quindi, ti oui. do una ti do due risposte. Je te donne due risposte. È più alto o più basso? dite? È-il più grand o più grosso? Grosso. Ok. È magro o grosso? È mince o gros? Mince. Mas... Magro. Più o meno, che età potrebbe avere? Più o meno, che l'âge può avere? Tu as 70 80 ans. Oui, c'est 70 80. OK. Chiedigli mentalmente e dimmi cosa ti risponde mentalmente. Demande-lui avec ton esprit et dis-moi qu'est-ce qui répond au niveau de ton esprit. Quel numéro t'arrive en mente? Quel est le numéro qui arrive à ton esprit 72. 72. Perfetto, parfait, parfait. E di che colore è vestito? Et ses vêtements sont de quelle couleur? Gris. Gris. Mm -hmm. dit si bien ou mal? si mal? Demande-lui s'il va bien ou va mal. te répond? Bien, bien, me... mm. bien, mais triste. Bien, mais triste. <laughs> ok. Si pour lui, être triste veut dire bien, ok. Si pour lui, être triste veut dire aller bien, ok. Et ognuno, a... <ride> ognuno interprète les, okay. les choses comme il veut, ok. Chacun va interpréter les choses comme il veut. Alors, dis-moi un peu, questa tristezza in quale parte del suo corpo sta? dis cette tristesse, dans quelle partie de son corps se trouve? Le cœur. Voilà. Di che colore la vedi? Et de quelle couleur la vois-tu? Son questa Le è, color, questa è energia... la colonna mm. È chiara è o scura? È foncée o è clair? clair. Benissimo. È, è grande o piccola? È grande o piccola? Grand. Mm -hmm. Ok, adesso facciamo un gioco con questo disincarnato. Maintenant, on fait un jeu avec Digli. Di cambiare il colore di questa tristezza e scegliere, per esempio, che ne so, il verde. Dis-lui di cambiare il colore di questa tristezza e di la rendre, per esempio, verde. Quando la vedi verde, dimmelo. Quando tu vedi questa energia verde, tu peux me le dire. Maintenant. Adesso. Perfetto, perfetto. E adesso chiedi al disincarnato, adesso che questa energia è verde, come si sente. Et mentionne que cette energia est verte, demande au désincarné comment elle va. Che ti miù? Meglio. Sei triste? Et triste? Beaucoup moins. Molto meno. Perfetto. E adesso con il tuo dito disegni un portale nel cielo. Maintenant, avec ton doigt, tu dois dessiner un portail dans le ciel. D'àl'autre part, c'è un poste bellissimo où il n'existe pas de tristesse. De l'autre côté de ce portail, il y a un endroit merveilleux là où la tristesse n'existe pas. Et tu Et du coup, dis-moi, que vois-tu de l'autre côté Des prairies et un ruisseau qui coule. Un ruisseau qui coule. Bene, adesso accompagna il disincarnato dall'altra parte e quando siete lì, dimmelo. Maintenant, tu dois accompagner le désincarné de l'autre côté et quand vous êtes là, tu peux me le dire. Maintenant. No. Adesso. Bene. Come si sente il disincarnato lì? Comment va-t-il le désincarné là? Bien. Bene. Vuole rimanere lì o vuole tornare indietro? Veut-il rester là ou veut revenir en arrière? Il veut rester. Voulez rester. Et alors, si vous voulez rester, devez dire lui que da tutti i corpi alors, il doit sortir de tous les corps matériels sur la terre. Alors, s'il veut rester, il faut que tu lui dises qu'il lui est obligé à sortir depuis tous les corps matériels qu'il y a sur terre. Dis-moi, quanti corpi de corps le vois depuis combien de corps le vois-tu sortir? 12. 12. Dimmi se anche tuo. Et dis-moi si ça aussi depuis ton corps. Non. Ok. Bene, eh, adesso digli pure di andare via, a godersi questa felicità. Torna indietro, chiudi tutto, continuiamo. Du coup, maintenant tu peux lui dire de partir, de prendre plaisir de cette joie. Tu peux tout permettre. Et nous, on continue. Benissimo. Ottimo esercizio. Facciamo un altro esercizio. Bon exercice. Maintenant on va faire un autre exercice. Vediamo dove ti porta la tua parte subliminale. On va voir où t'amène ta partie subliminale. Tu non devi pensare, non devi fare nessuno sforzo di niente. Il faut que tu ne réfléchisses pas et tu fais aucun effort. Et à mon trois, la tua parte subliminale ti porta la causa esoterica della sensazione di essere adottato. Et à mon trois... la partie subliminale t'amène à la cause ésotérique de la sensation d'être adopté en deux et trois. Bene dove sei Michel? Où tu Michel? Questo posto è grande ou piccolo? C'est grand ou petit? C'est sombre. Escuro. Grand ou piccolo? Grand ou petit. Petit. piccola. Come ti senti in questo posto? Come vai tu in questo posto? Sono oppresso. Sei solo o senti la presenza? una Qualche presenza. E tu solo o senti qualche presenza? No, non c'è niente. No, non c'è niente. Ok. Quindi avete un posto piccolo, no? Mi ricordo più, va e cosa c'è in questo posto scuro? Rien. Niente. Niente. Bene. E mentre... No, aspetta attimo. Ok, adesso se c'è qualcuno in questo posto che tu non vedi, però c'è, quindi se c'è, lui adesso si mette, lui, insomma, questa cosa si mette davanti a te. Chiama qualcosa. Il y a quelqu'un dans cet endroit, même si tu le vois, mais il y a, tu lui dois ordonner, tu dois l'appeler de le dire de se mettre en face de toi. Appelle lui qu'il y a. Voyons si il On va voir si il arrive quelqu'un quelque chose. Un, deux et 3. Bien. Qu'est-ce qu'il y a en face de toi? une ombre enfin quelque chose de une silhouette um, qui est gris blanc mais je n'arrive pas à voir qui c'est une silhouette une ombre quelque chose de gris ou blanc que je ne peux pas comprendre ce que c'est maintenant tu vas le voir tout de suite tu adesso la tocchi con la tua mano energetica, così la tua parte subliminale legge le informazioni genetiche e ricostruisce la sua forma originale. Maintenant, tu la touches avec ta main énergétique et ta partie subliminale va lire ces informations génétiques son l'ADN et tu vas reconstruire sa forme originale. Ben. Perfetto. Che forma ha preso? Quelle est sa forme? Est-elle plus grande ou plus petite que toi Plus petite. Plus piccola. Plus ou moins à quoi ressemble cette forme Plus ou moins à quoi ressemble cette forme Une tête ovale qui ressemble un peu à un crapaud ou une grenouille. Ou une tête ovale qui ressemble un peu à un capron à une rana. Ok. Bon, entre le capron et la rana, c'est une belle différence. Donc, si le capron et le renouille, a Dis-moi s'il a des cornes. Dis-moi s'il a des cornes. Non. Non. La pelle est lucide, humide ou sec et con pelo. Sa peau, c'est lucide et humide ou sec avec tes poils Lisse et humide et humide. De quelle couleur? C'est de quelle couleur? Vert. Verte. Mm -hmm. Annoussalo. Ou annoussala. Et dis-moi. Quelle odeur est-ce? Son, son odeur. Et dis-moi quelle est son odeur? Le moisi. Mm. aussi. Mon À la coda. A-t-il un queue? Vedi una cosa? Vois-tu un che? Non. È in posizione verticale o horizontale? È in posizione verticale o horizontale? Verticale. Quindi, se ha una forma di amphibio più o meno, vuol dire che sta su due zampe? A-t-il una forma più o meno d'amphibioide e il est-il su due pattes? Il est sur deux pattes, il est debout. Et sur deux jambes, en pied. Comme sont -hmm. les yeux? Comment sont ses yeux? Sont grands ou petits? Ses yeux sont grands ou petits? Grand, couleur un peu jaune, brillant. Grands, avec un color un peu jaune, brillants. Mm -hmm. Comment se il s'est mis à manquer de lui? Demande-lui quel est son prénom. Qu'est-ce qu'il qu a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il no. a dit tout. Est-ce qu'il a répondu? Non. Il a dit tout non? Il a dit non? Bon, espèce que je vais le Attends, je vais lui demander moi directement. Me fais-tu parler avec lui? Me fais-tu parler avec lui? Eh? Si ou non? Oui. Oui? Bon, lâche-moi avec lui. Non, penser. Dis-moi seulement ce qui t'arrive en tête. Laisse-moi avec lui. Ne réfléchis pas et dis-moi ce qui arrive à ton esprit. Salut. Salut. D'où vienne D'où tu arrives D'où D'où tu arrives, arrives? Laisse-moi avec Michel. Laisse-moi avec Michel. Déconnecte Michel. Ok Michel, on ne t'arriva pas à rien n'est arrivé Rien n'arrivait à ton esprit Michel. 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 Oui. Ok. Tu arrivais à quelque chose en mente? Quelque chose arrivait à ton esprit? Non. Ok. Eh, eh, Est-ce masculin ou féminin? Est-il masculin ou féminin? Féminin. Féminin. te dit qu'est féminin? Et qu'est-ce que tu dis que c'est plutôt féminin? D'après peut son visage, c'est plutôt des traits féminins. D'adjudiquer um, de la tête et le visage, est plutôt féminin. Si tu reconnais okay. les amphibies, c'est le masculin féminin de la face. Eh? Reconnais-tu les amphibioïdes, c'est si le mm, masculin féminin depuis son visage? Okay. Non, c'est juste une impression. C'est juste une impression. Ah, ok, ok. Euh, ok, dis-moi si tu vois des entre Dis-moi si tu vois des connexions entre cet amphibioïde et toi. Non. Ok. Et, de et demande-lui, avec ton esprit, qu'est-ce qu'il fait en face de toi. Allora, se siamo arrivati qua a questo punto, con questo anfibioide davanti, perché mm, ci ha guidati la tua, la tua sensazione di essere adottato, e dobbiamo rimettere insieme queste cose. Se tu sei arrivé qui, in face di cet anfibioide, perché la sensazione di essere adottato ci ha ici, il faut che tu metta in en in ordine qualcosa. Quindi, vai in un momento della tua vita dove senti forte questa sensazione di essere adottato. Tu dois aller dans un moment de ta vie là où tu ressens très fort cette sensation d'être adopté. Très bien. Quanti as-tu Et l'âge as tu dans ce souvenir Deux, trois ans, tout petit. Deux, trois ans, petit. Mm. Et toi, où es-tu Dans le salon. le salon. Que fais-tu? Je suis assis par terre et je pleure. Sono terre, piango. Pourquoi, Pourquoi pleures-tu? Passement, un maman me punit. Me et est quelle est la punition? Quelle est la punition? Elle me frappe. Mes piques. Et tout que vous fait. Et qu'est-ce que t'as fait? Je pleurais parce que j'avais de l'attention. Je pleurais parce que je voulais de l'attention. Elle te pique. Et elle te frappe? Oui. Ok. Regarde-toi mentre pendant Regarde-toi-même depuis l'eau pendant que tu pleures. Scegli un, un punto della stanza. Tu devi scegliere un punto della piazza. Quale punto hai scelto? Qual è il punto che ti hai scelto? Qual è il punto? Il mio angolo. Beh, adesso da questo punto di osservazione puoi vedere anche quello che è invisibile. Adesso, da questo punto di osservazione <coughs> puoi vedere quello che è invisibile Bene, dimmi che succede nella stanza mentre piangi, che non è fisico. Tu dois me dire che cosa succede nella pièce pendant que tu pleures, che tu pleuras, che non è fisico e che è invisibile aux yeux fisici. Je ne sais pas, je ne vois pas. Non lo so, non Ok, siccome stiamo cercando il vincolo tra questa sensazione di essere adottato e l'anfibio, l'anfibioide. Al mio 3, dimmi se Vu qu'on est en train de trouver chercher le lien entre cette sensation d'être adopté et l'amphibioïde, dis-moi si tu vois l'amphibioïde. À si mon 3, tu dois pas y mettre l'amphibioïde. À mon 3, s'il y a l'amphibioïde, il va apparaître. S'il n'y a pas, il va pas apparaître. Voyons qu ce qui se passe. Et on va voir ce qui se passe. 1, 2, 3. Dis-moi qu ce qui se passe. Dis-moi ce en train de se passer. Il, il est présent. Il est présent. Il est présent et où le venez? Et tu le vois où? Derrière ma mère. Dietro ma mère. attaquée à ta mère. Il est accroché à ta mère. Oui. Ok, et donc qu'est-ce qui se passe Et du coup, qu'est-ce qui se passe Continue. Qu'est-ce qui se passe? Tu piangi che succede? Tu pleures et qu'est-ce qui se passe? L'anfibioide fait quelque chose? Je vais ma mère et elle me frappe. Elle eh, va vicino ma mère, et elle me pique. C'est-à-dire, l'anfibioide si avvicine a ta mère et ta mère ti pique? Tu veux dire que l'amphibioïde s'approche à ta mère et ta mère et te frappe Oui. Attends, attends, attends. Etra, fais-moi parler avec l'amphibioïde. Etra, fais-moi parler avec l'amphibioïde. Qu'est-ce que tu dis à la mère de Michel Elle est à la micro. Non, Electra. Mm. Cosa stai dicendo la madre de Michel? Qu'est-ce que tu es S en train de dire à la mère de Michel? Cet enfant mérite une correction. Est un bambino et mérite une correction. Pourquoi bambino... veux-tu que le bambino pianga? Et pour que... pourquoi veux-tu que l'enfant le... pleure? C'est de la musique pour moi. Et oui, de quoi fais-tu? Balli? Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu danses? Non, j'en profite. Je me réjouis et je prends le piacere. Vas-y, petit, tu peux continuer. Vai, piccolo, peux <ride> continuer. Mm -hmm. Vas-y. Plus fort. Plus fort. <ride> Allez-y, madame, vous pouvez continuer la correction. Ok. Dimmi que ça fait, Michel, l'anfibioide mentre piangi Dis-moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Michel? Dis-moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'amphibioïde, pendant que tu pleures? Qu'est-ce qu qu'il fait? Il observe avec un grand sourire. On observe comme un grand sourire. Mais poi... Et après? De continuer. Dice di continuare. Et poi? Bah, yep. Allora, facciamo così. Quando finisci di piangere, vai un po' avanti nel tempo, l'amphibioide rimane lì, va via. So che succede? Avance un peu dans le temps. Quand tu arrêtes de pleurer, l'amphibioid reste là, il part. Qu'est-ce qui se passe? Il ne parla. Non è lì. Et dove sta? Et où il est? Je ne sais pas. So. Observe dove andate. osserva dove è andato, osserva dove sta, Où è il ma Mentre... in dimmi dimmi, dimmi, Dis-moi. Dis-moi. Dans ma chambre. In camera mia. Che cosa ci fai in camera tua? Che Shhh. fai cosa fa lì? Che fai lì? Tu non ascoltare l'anfibioide se ti dici di stare zitto, parla. Non pas l'anfibioide se ti dici di restare zitto, parli. Che cosa fa nell fai nella tua stanza? Che fai lì? Che fai lì? Il se nourrit de ma, ma peine, de mes douleurs. Il nourrit de ma peine et de mes douleurs. Attends, fais-moi comprendre. Tu es dans ta chambre, ça veut dire que tu es dans la ou dans le lit, Alors, fais-moi comprendre. Tu me dis que tu es dans ta pièce, tu veux dire que tu es dans ta... ton berceau, dans ton lit, c'est ça Oui. Qu'est-ce si que tu fais Tu te réveilles ou tu Que fais-tu Tu es en train de dormir ou tu es réveillé Je suis réveillé. Je suis réveillé. Et que fais-tu Et que fais-tu Je me questionne. Je me pose des que questions. Quelles questions Quelles questions Pourquoi tout ça Pourquoi tout ça Ok, e dimmi come si sta nutrendo questo amfibioide delle tue emozioni. E dimmi come è in se nourrire cet amfibioide avec tue emozioni. Plus je suis triste, plus il est content. Più io sono triste, più lui est content. Okay, come prende questa energia emotionale da te? Comment il récupère questa energia emotionnelle da toi? Je ne sais pas. Allora, nice. observe si un tra te et lui. il observe s'il y a-t-il un lien entre toi et lui. Je sens quelque chose au niveau du cœur, de mon cœur à moi. du cœur à moi. Ok. C'è qualcosa nel tuo cuore, ma vedi la connessione con l'anfibioide? Basta, punto. Vedi la connessione con l'amphibioide? Vois-tu la connexion con l'anfibioide depuis ton corps? Déconnecte, oui. letra, déconnecte, troppo tempo. Oui. Ok. Vedi, ha detto sì? Ok, e mi dici in quale parte del corpo dell'anfibioide è collegato? Me dis tu in quale parte del corpo de l'amphibioïde? Connecté à la base de sa nuque, au bas de la sonnuque, et quindi observe ce que c'est de la passe pour cette connexion. Observe alors qu'est-ce qui passe en, dans cette connexion. Come un fluido. ok. Questo fluido, cos'è? E se qua, questo fluido? Guarda, facciamola veloce: dimmi se la tristezza sta passando da te a lui. Uh, dimmi se la tristezza è in train de passer da te a lui. Oui. Oh, in tutta questa situazione, cosa ti fa pensare che tu sia stato adottato? Dans toute cette situation, c'est quoi qui te fait penser que tu, étais, que tu as été adopté D'être déphasé par rapport à, aux gens qui m'entourent, ma famille. D'être déphasé en relation à toutes les personnes qui me circondent dans ma famille. Tutti i membri della tua famiglia ti trattano come tua madre? Che, insomma... Tutti i membri della tua famiglia ti trattano come tua madre? No. Vabbè. Ok, lavoriamo con questo anfibioide e poi vediamo se cambia qualcosa. lavorare con questo anfibioide e poi vediamo se qualcosa cambia. Ok, mm. non ti faccio tante domande perché le informazioni ti arrivano. Non velocemente va benissimo, però voglio che ti arrivino e che lo veda tu. Non voglio te posare troppe domande perché vedo che le informazioni arrivano velocemente, va molto bene, ma voglio che sia tu a lavorare, che sia tu a si vede questo anfibioide che sta con tua madre e è molto probabile che tua madre lo abbia trasferito a te attraverso una connessione energetica energetica normalissima tra madre e figlio. bien un part de ta mère. Però adesso noi dobbiamo eliminare questa interferenza esoterica che ti vuole triste e vediamo che succede. Maintenant, nous, il faut qu'on élimine cette interférence ésotérique, ésotérique qui veut que tout soit triste et on va voir qu'est-ce qui se passe. Ok, d'accord. Ok. Bene. Adesso, sta davanti a te. Maintenant, l'amphibioïde est en face de toi. Et tu lo lo io. Et toi, tu vas le détruire quand ce sera moi à le dire. Devi sapere savoir que la destruction est.

Du coup, à partir du mm. moment que tu vas réévoquer toute cette autorisation, lui, il ne peut plus rester à l'intérieur de ton espace puisque tu ne lui donnes plus la permission et du coup, il va disparaître. Mais, donc, à mon 3, le destruct. À mon 3, tu le détruis. Ouais. Mais, à mon 3. À mon 3. 1, 2, et 3. Détruit. Benissimo. Dimmi cosa è successo al numero 3, Michel. C'est eh bien. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai dit le numéro 3, Michel? Si è evaporato. Si evaporato. Ah, è evaporato. E tu, come ti senti adesso? E toi, come vas tu maintenant? C'est le cœur plus léger. Ho oh, il cuore più leggero. Perfetto. E adesso senza questo interferente esoterico nel tuo spazio, osserva il tuo futuro. Et maintenant, cette interférence ésotérique à l'intérieur de ton espace, tu peux observer ton futur. Et en général, comment tu Dans d'une façon, façon générale, comment vas-tu? Comment tu te sens? Plus léger. Plus léger. Ben, disons, comme tu le vois dans ta vie laborative, personnelle, sociale. Comment vois-tu ta vie du travail, la vie personnelle, la vie sociale Plus gai et lumineuse. Plus joyeuse et lumineuse. Et comment te sens-tu en général à niveau émotionnel Comment tu dans général au niveau émotionnel Plus, Plus libre C'est mm. triste Plus libre. E tu triste? Mi resta un po' di tristezza nel mio cuore. Resta un po' di tristezza nel mio cuore. Beh, tu sai che sono, queste sono delle emozioni normalissime che noi produciamo, però così come le creiamo le possiamo modificare o eliminare. Ça, c'est juste des euh, énergies que nous, on peut soit créer, soit modifier. Donc, maintenant, prends la tristesse et la bouteille via un portail. Du coup, maintenant, tu dois récupérer la tristesse et tu dois la jeter par un portail. Ben, tirala, jettala. Alla, jettala. Parfait. Tire-la. Jette-la. Enfin, jette Parfait. Comment de sentiers, Adesso Comment vas-tu maintenant Je suis libre, Je suis libre. Est triste. Es-tu triste? Non. Mais eh, c'est Es-tu heureux? Oui. Parfait. E et comment vois-tu maintenant ton futur et toi-même avec cette joie? Harmonieux et épanoui. Harmonieux et pacifique, eh, mm -hmm, tranquille. Okay. In pace. In pace. Ok, come lo vedi tu adesso eletra? Come lo vuoi tu adesso eletra? Avec un'armonia una che si installa in lui e che gli permette anche di percepire il mondo in una forma più sgradevole. Con un'armonia che si installa in lui e gli permette di percepire il mondo in un modo più piacevole. Beh, già sai che i sogni che fai possono esserci dei disincarati, è normale esistono, quindi è normale che tu li veda, già sai come fare e già sai come fare se qualcuno vuole che tu sia triste, punto tu sai già che all'interiore dei tuoi sogni può avere dei disincarnati, è normale, du coup, è normale che tu li veda ma tu vieni ad imparare come fare nel caso in cui qualcuno vuole che tu sia triste bene, fatto questo preso coscienza di questo vous de tout et de tout. Maintenant que vous avez pris conscience de ça, vous pouvez déconnecter de tout et tout. Adesso il corpo comincia a risvegliarsi. Maintenant votre corps commence à se réveiller. Le corps se fait toujours plus léger. Et tu sens une sensation de felicità in tutto il corpo. Et tu ressens une sensation de chaud partout. Dans corpo. Apri gli occhi. Ori, gli occhi. E buonasera. Buonasera. Com'è va, Bien, merci. Bene, grazie. Oh, si è cambiato completamente. Eh? T'ha cambiato completamente. Qual è la differenza che senti tra prima della sessione e adesso? Quelle est la différence que tu ressens entre avant la session et maintenant Plus léger, j'ai l'impression que autour de moi c'est plus lumineux. <laughs> plus léger, j'ai l'impression que de moi, mais c'est, plus lumineux. Ok, oui. <laughs> fatto. C'est fait. Vous publier la session Veux-tu publier la session Oui, bien volontiers. Si, volontiers. Parfait. Vini cu de la registration, au revoir. Je ferme de au revoir. Merci.